Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 14 décembre 2020. 20h43 du Québec avec vraiment une année pas facile. Mais c'est rien comparativement à ce qui nous attend. Mais ce qui est le plus choquant dans cette année vraiment particulière, le début de notre apocalypse, comme j'aime le dire, c'est que tu as les fêtes religieuses de toutes les religions cette année qui ont été annulées. Les mariages, les gens n'ont pas pu se marier. Je pense qu'ils ont été capables de divorcer par contre, parce que tu n'as pas besoin de louer une salle pour le divorce. Les baptêmes, les grandes réceptions de toutes les nationalités, de toutes les cultures ont été annulées. C'est vraiment, vraiment spécial. Noël va être annulé. Cette année, c'est annulé. La plupart des pays européens et des autres pays, étant une fête chrétienne, ont été annulés. Ici, ça a été annulé par le gouvernement du Québec. Demain, d'ailleurs, on annonce probablement un reconfinement total de tout ce qui n'est pas essentiel, comme commerce et bureaux et peu importe, pour 3 semaines. Un peu comme l'Allemagne le fait, les Pays-Bas et presque la majeure partie des pays. On est vraiment, vraiment pas sorti de l'auberge. Ça, c'est sans compter tout le reste. L'Etna qui continue à faire des siennes. Des tempêtes solaires incroyables, puissantes, qui peuvent déclencher des événements volcaniques ou sismiques et même climatiques. Je vous ai partagé, comme c'est la tradition, les prédictions de Nostradamus qu'on peut trouver. J'ai trouvé deux sites de prédiction que je vous ai partagés. Je vous ai relié des événements aussi contemporains qui vont avec ça. C'est ça qui est le plus inquiétant. Puis dans une de ces prédictions-là, on parlait d'un tremblement de terre majeur en Californie. Est-ce que une de ces prédictions, celle-là en particulier, pourrait se réaliser plus vite qu'on pense? Ou en tout cas, pour l'année 2021, en tout cas, selon ce qui s'est passé aujourd'hui puis dans les derniers jours, c'est fort probable. Voyez-vous comment c'est très, très, très réaliste cette année. C'est une année biblique. C'est le début de notre chapitre apocalyptique à nous. Ça, c'est cyclique, ça aussi. Il y a eu des... Si tu vas dans toutes les cultures, dans toutes les religions, tu as l'équivalent d'un livre apocalyptique qui existe parce que l'apocalypse est cyclique. On ne peut pas s'en sortir. Puis nous autres, on l'a. Puis ça tombe à nous. C'est des cycles de 2000, 5000 ans. J'ai souvent parlé de cycles de 5000 ans parce que c'est de ça dont parlent la plupart du temps les grands savants qui parlent de ces sujets-là, parce que moi, je ne suis pas un grand savant, je suis un profane, mais qui est intéressé, puis qui cherche, puis qui veut partager. Puis je pense que ça vous plaît. Puis je vous remercie, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Venez vous joindre, cliquez le petit bouton « Souscrire » et la petite cloche aussi pour avoir les publications dès que je les mets en ligne. Donc, cette fameuse prédiction de Nostradamus, c'est celle-ci concernant un tremblement de terre dévastateur qui détruirait la Californie, selon l'interprétation d'un quatrain écrit par Nostradamus, un séisme extrême puissant détruira la Californie. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas aujourd'hui? Ben, c'est la chose suivante. Si je peux retrouver mon lien, donnez-moi un instant. Ben, d'abord, je voulais juste, pendant qu'on est là, les astéroïdes, selon le USA Today, OK? Le USA Today, publié le 11 décembre 2020, les astéroïdes ne sont pas complètement aléatoires. Les extinctions massives d'animaux terrestres de la Terre suivent un cycle. Selon une étude, tout est cyclique. Les astéroïdes ne sont pas complètement aléatoires. Les extinctions massives coïncident avec des impacts majeurs d'astéroïdes et des effusions volcaniques dévastatrices de lave. Les paléontologues avaient déjà découvert que des extinctions massives similaires de la vie marine n'étaient pas des événements aléatoires. Nous sommes à environ 20 millions d'années de la prochaine extinction de masse, nous dit-on. Mais dans la chronologie, dans l'horloge cosmique, je ne pense pas qu'on ait grande idée de ce que représente ce temps-là, mais on nous dit que tout est cyclique et que
La mortalité généralisée des animaux terrestres, qui comprend les amphibiens, les reptiliens, les reptiles, les mammifères et les oiseaux, suit un cycle d'environ 27 millions d'années. Donc, tout est cyclique. Qu'on parle de grandes catastrophes, tsunamis, qu'on parle surtout volcans, éruptions majeures, de super volcans ou tremblements de terre majeurs, tout a un cycle. Tout est relié à des cycles. Dans l'univers, tout est relié à des cycles. On n'a pas besoin d'être scientifique pour ça, mais c'est les scientifiques qui nous le disent. Donc, on peut leur faire confiance. Et quand on regarde tout ça, tout est cyclique. Imaginez-vous, pour revenir à la prédiction de Nostradamus, un séisme de magnitude 4,7 ou 4,7 est le dernier essaim de tremblement de terre à secouer la région du Nevada, selon la USGS. Ça, ça a été publié ce matin parce que le tremblement de terre, le dernier, a eu lieu ce matin. Un tremblement de terre de magnitude 4,7 qui a frappé le Nevada lundi, donc aujourd'hui, après-midi, est le dernier d'une série de dizaines de tremblements de terre dans la région, selon la US Geological Survey. Aucun dommage ni blessure n'a été signalé, tant mieux. Le séisme de 3,2 milles de profondeur a frappé environ 16 milles de la petite ville de Mina, au Nevada, et à moins de 115 milles de Salt Lake Tahoe, en Californie, ces deux États voisins, OK? La lumière tremblante du tremblement de terre de lundi pourrait être ressentie dans la Sierra National Forest et Pine Grove en Californie, selon la USGS. Le séisme de lundi est survenu après que plusieurs tremblements de terre ont secoué la région récemment. Un séisme de magnitude 4,9 a frappé samedi près de Mina. Donc samedi 4,9, aujourd'hui 4,7. La frontière Californie-Nevada a été secouée par des tremblements de terre ces dernières semaines, a rapporté McClatchy News. Au cours de la première semaine de décembre, au moins 40 tremblements de terre ont secoué la région. Le plus grand tremblement de terre avait été un d'une magnitude de 5,1. Cela s'est également produit à environ 15 000 au sud de Mina, dans le Nevada, selon la USGS. La magnitude mesure l'énergie libérée à la source du tremblement de terre, selon la USGS. Il remplace l'ancienne échelle de Richter. Eh bien, voilà, on a changé de méthode. Maintenant, un séisme de 4,4 a frappé près de Lakeport et a secoué le nord de la Californie le 6 décembre 2020. Une quarantaine de tremblements de terre secouent la frontière entre la Californie et le Nevada, dont un de 5,1. Deux tremblements de terre matinaux secouent le sud de la Californie. Ça, c'était le 16 novembre. L'autre, c'était le 2 décembre. Je sais pas, mais il y a peut-être raison de s'inquiéter. Avec, il ne faut pas l'oublier, un cycle solaire puissant qui a déclenché des explosions solaires qui nous ont amené des tempêtes géomagnétiques dans les derniers jours, vous le savez. J'en ai parlé, mais tous les médias en ont parlé. On a plusieurs études qui peuvent prouver qu'il y a une incidence entre les tempêtes solaires, neutrons, protons, rayons cosmiques galactiques qui pénètrent parce qu'on a une magnétosphère peut-être affaiblie, mais même à ça, viennent avoir un impact sur l'activité peut-être sismique et volcanique. Je ne sais pas, mais il y a eu un autre gros tremblement de terre aussi, aujourd'hui, au Chili. 6, juste ici, à une profondeur quand même, lui, de 109. Quand même. C'est très puissant. Un tremblement de terre de 5,7 s'est produit vers midi, lundi 14 décembre 2020, l'heure locale de Calama, au Chili, comme l'a rapporté le Centre allemand de recherche en géosciences. Ça, c'est sans compter naturellement l'activité volcanique très intense aussi ces temps-ci. On peut se poser des questions. Hein?
tremblement de terre dévastateur détruira la Californie, selon l'interprétation d'un quatrain écrit par Nostradamus. Un séisme extrêmement puissant détruira la Californie en 2021. On se croise les doigts, mais 2020, 2021, mais 2020, ça sent tellement pas bon. Parce que, comme je vous le dis, moi j'ai bien l'impression que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ça ressemble bien gros à une forme d'apocalypse moderne.